Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Et aujourd'hui on a le Beerus, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis devenu fou les gars. On a le Goku, donc SSJ 100%, donc le SSJ AJ, donc qui va sortir sur le portail, qui passe en SSJ 2, puis en SSJ 3, puis un SSJ God, puis un SSJ Blue, et ça fait grave plaisir, on est là aujourd'hui pour le tester, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça fait grave plaisir, merci pour tout le soutien sur la chaîne. Donc on va partir sur le boss rush, le test. On a pris un Migaté en leader parce qu'il fait de la partie de la catégorie divine, de la catégorie aussi full power si je ne me trompe pas, et de la catégorie Saiyan 200 pur. Donc j'analyse toute la carte dans la petite vidéo ici sur le bouton, j'analyse toutes les infos, n'hésite pas à les check frérot. Et puis tout simplement on va y aller, hein, y a pas... Let's go, voilà, on y va, on est chaud, on va le tester, on est là, on va tout casser, c'est parti. Alors, sur sa première forme Super Saiyan, il a un boost de 80% en attaque et en défense, et réduit les dommages subis de 21%, donc c'est un sacré monstre. A savoir que à chaque fois qu'il se transforme en plus, avec les tours passent, il va, alors, on va essayer de réunir les deux, lui et le Goku. Pourquoi? Parce qu'il a le lien de Soda Divin et Bataille Divine. Alors, Bataille Divine, je suis pas sûr qu'il l'ait, lui. Est-ce qu'il a Bataille Divine? Ouais, je crois qu'il a. Bon, on verra bien. Ça, je sais pas si c'est Soda Divin ou Bataille Divine. Enfin, bref, il se donne pas mal de liens et donc c'est cool. Et j'ai hâte de le tester, c'est un truc de malade. J'ai tellement hâte. Ça va être juste fou, c'est une telle incroyable. Alors, à savoir que quand il est bien monté, enfin, tout à la fin, il a un énorme boost d'attaque. Ah oui, il augmente l'attaque et la défense aussi sur sa spé. Pour, voilà, pour être, c'est pas comme s'il était déjà trop fort. Hein. Et sinon, quand il est monté, donc en SSJ Blue, la dernière fois, j'ai pris de Vegeta aussi, d'accord, ok. Donc là, à savoir qu'on l'utilise en Migaté, donc double leader 150%. Et comme par hasard, il arrive à la fin d'ailleurs. Hop, on va le mettre là, lui. Hop. Donc à chaque fois qu'il arrive sur la terre, il va se transformer. Et forme finale, donc en SSJ Blue, il va avoir une réduction de dégâts de 25%. Un boost de défense de 40% de tête et un boost d'attaque de 120%. Sachant qu'il crit une fois. Il crit une fois. À 100% en fait, dès qu'il apparaît sur le terrain, il critique. Et ça, c'est juste n'importe quoi. Ah, oh là 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 là, petit SSJ2, le petit SSJ2 qui arrive. Hop, ah les gars, je suis tellement en kiff devant cette. Je sais pas, c'est mon petit côté hype. Voilà, ça fait plaisir d'avoir une petite unité comme ça. Je sais pas, j'aime bien le système de transfo, je trouve ça tellement cool. On débute à 1 million de valeur d'attaque. J'aurais dû mettre, je sais pas il y avait qui à côté, mais il avait pas du tout tous les liens d'activer, il avait que... je crois qu'il avait que Super Saiyan, je crois même pas qu'il avait Dimension Divine d'activer. On va devoir le remettre. Hop. Donc le but ça va être de passer plein de tours pour qu'il se transforme... pour qu'il puisse se transformer. Bon là avec Juba ça va pas trop être possible je pense. Enfin quoi que je pense on peut activer jusqu'à la SSJ God, on va voir. Bouf. Ah là là, vous imaginez à chaque tour il se transforme comme ça quoi, si vous en avez deux. Là il a les liens de... là il a les liens de Super Saiyan 3 du coup. Ah il a plus de liens avec Rosé. D'accord. Il a un lien en plus avec Rosé. C'est quoi? Super surpris. Je suis super surpris. Alors on va voir sa spé c'est quoi en SSJ 3. Quel est sa spé en SSJ 3? Ah ouais ok d'accord, c'est la spé qu'on voit tout le temps. Un peu dommage ça. Ça un peu dommage. Je pensais qu'ils allaient quand même mettre des spés un peu unique quoi. Un petit ouais petit bémol ici, on va le mettre là comme ça. comme ça par pan spé, parce que c'est pas lui qu'on veut essayer. Hop. Et prochain tour SSJ God du coup. Mais je pense qu'il va le terminer en SSJ God. Sinon après c'est SSJ Blue ou... Ah on se prend une petite spé. Sur Beerus ça va. Enfin quand t'as 1000 quand même. Pam, boum. Aïe 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 aïe. Ouf. Ah ouais non en fait Aïe 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 aï
Ah ouais, ça par contre, je suis super déçu, ça. D'habitude, quand t'es transformé, t'as tous les liens qui s'activent. Mais c'est bizarre. Ah, il est pas considéré comme les autres transformations. Ah, ça, c'est tellement dommage, par contre. Ça, c'est tellement dommage. Faudra attendre qu'il se transforme en SSJ Blue, du coup, pour avoir tout... 374 000 de valeur d'attaque. 1 600 000. Ouh, le critique à 3 millions qui tombe. Le petit critique qui tombe à 3 millions. Bon là du coup il va y avoir plaisir et tout. On va essayer de faire durer un peu plus les tours. Faut pas qu'on parte en spé. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Le but, ça sera bien sûr de passer 5 tours. Enfin, 10 en tout avec le Goku. Parce que vu qu'il se transforme à chaque fois qu'il arrive, c'est tous les 2 tours en fait. Sauf si vous l'avez en leader, vous allez avoir un tous les tours. Mais il va se transformer comme tous les 2 tours. C'est vrai qu'au niveau des attaques spé, quand même, petit bémol. Hein, je pensais qu'ils allaient les changer quand même. C'est pas transformé, elle était pas censée se transformer. Je sais plus. Bon, Vegeta il va le déglinguer. Ah, je croyais qu'il se transforme à partir de la troisième rotation en fait. Parce que tout à l'heure j'ai eu la première fois dans la troisième rotation, il s'est transformé instant. Donc il doit se transformer à partir de la troisième rotation. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que si vous l'avez au cas où vous avez une mauvaise rotation. C'est bon, Vegeta, c'est bon, frérot. Ah, Vegeta il tape trop fort. J'aurais dû pas le ramener. Hop. Je vais me mettre là. Comment on va faire pour pas partir en ce bon. Il va quand même le tuer, je pense. J'espère pas. Après la phase puits, il y a laquelle? Il y a la tech bien, je sais plus. Transformation SSJ2. Bon là on a déjà vu l'aspect du coup. Bon, après le Vegeta je pense qu'il va le finir en vrai. Hein. Je pense que le Vegeta va le finir en vrai. On va le mettre là. Parce que le Vegeta en vrai il me pose des problèmes, il tape trop fort. Là il va le finir c'est sûr, hein. Même si je pars pas en spé avec le Goku. Ouais bon d'accord. Petite auto-attaque à 250 000 au calme, avec la moitié des liens d'activer même pas. Alors la phase agit. Oula lui ça va être... Ah ouais c'est impossible de pas partir en spa avec lui en fait. Ouais. Après la agit. Ah punaise il part en Dokkan mode, ça j'avais pas prévu par contre. On va rien toucher. Je ne touche rien du Dokkan mode. Hop. Il y a un cri ou je rêve là? Il a crié? Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est ce... Quel est cet étrange sortilège? J'ai entendu une voix sortir, je crois que c'était... Ah ça devait être Trunks, il disait Exo. Je crois que c'est ça ouais. Ça, ça m'a surpris de ouf. Transformation SSJ3. Bon, on va le finir du coup. Hop. Trois millions en cryptonite. Bon, là on est à la dernière phase du coup. D'accord, là le rosé va partir en SP obligatoirement. Oh putain.
Ah ouais, d'accord. Il est comme ça, lui. Il me lâche une spé comme ça. Non, mais critique pas! Mais il suffit juste de moi ou quoi? Mais wesh! Il a lâché de critique! Oh là 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 là. Oh mon dieu, quoi. Bon, j'ai ce que je vais faire la prochaine pour activer le CJ Blue enfin. Parce que j'ai envie d'avoir les deux dans le même tour, c'est pas possible. Parce que là en fait, même si on part pas en spé, enfin je peux pas partir en spé, mais le rosé va partir obligatoirement en spé. Tac tac, donc c'est quoi le prochain? C'est Black Goku. Est-ce que Black Goku on va pouvoir? Je pense pas. Oula. Alors. Bah c'est là que vous voyez en fait la difficulté pour se transformer tout simplement. Même là en essayant de un maximum retarder l'échéance. Bah tout simplement c'est compliqué quoi. Bon les végétaux. Vous savez quoi, je sais, on va activer la transformation sur l'event de Black. A tout de suite. Re, donc là, je sais pas pourquoi, mais les liens de God sont activés, donc le lien de SSJ God. Du coup, c'est cool. On va pouvoir voir les dégâts qu'il fait avec le SSJ God. En espérant que. Je sais pas, je crois. Si derrière, il y a une phase rosée encore. Donc, on va pouvoir voir le SSJ Blue enfin. Il monte à 2 millions de valeur d'attaque. Sachant que c'est pas un LR, hein, faut pas l'oublier ça. Ouh là là, ça fait très mal. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Ok, XP sur qui? Gâté. Ah, je commence à prendre cher là quand même. Ah, la petite transformation de Goku. En plus, j'ai pas ramené d'item, je crois. À force de me prendre des coups, hein. Ah, si, ça va, j'ai pris. Ramener un item en vrai, c'est bon. Mais de toute façon, il va le finir là. Hop. Et le prochain tour, il y a le rosé. On va voir si ça va être un one shot ou pas avec le rosé pied. Normalement, c'est pas sa dernière phase, je pense. Hein. Je fais que de chanter depuis tout à l'heure, désolé pour ceux qui. Ah là 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 là. Comment elle est trop classe la musique! Oh là 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 là. Là il va qu'on critique à 100%, c'est sûr qu'il critique. Par contre, il y a une barrière, donc faudrait regarder la valeur d'attaque. 2 millions 15! Oh là là, oh, elle est tellement stylée l'aspect! Oh, aïe 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 aïe! Oh, cette spé magnifique! Oh, cette spé magnifique! Oh là 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 là. Ce coup critique à 100%. Il régale ce Goku. Ce Goku il régale. Il régale, c'est un régal. C'est un régal ce Goku. J'ai envie de voir une autre de ses SP, donc on va faire ça. On va faire une petite dernière SP. Oh là 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 là. Oh là 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 là, j'aime trop ce perso, c'est incroyable. Regardez l'animation. Aïe 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 aïe, comment c'est tellement stylé. Et à la fin avec la petite ombre là du mec. Oh là 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 là. Bon, on va se quitter sur ça les frérots. Merci d'avoir été là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ma joie, mon engouement est communicatif. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça ferait grave plaisir. À partager la vidéo, à vous abonner, à activer les notifs. Et voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bonne chance pour vos aventures. J'espère que vous aurez tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, portez-vous bien.